Avant de craquer pour son actuel compagnon Diego El Glaoui, Iris Mittenaere a partagé la vie de Kev Adams pendant un an en 2017. Un couple qui a fait jaser même si les deux tourtereaux ne s'étaient jamais vraiment affichés ensemble en public, si ce n'est une seule et unique fois lors d'un match du Paris Saint-Germain. Préférant garder leur relation secrète, ils ont pendant longtemps évité de répondre aux questions de leurs fans mais aussi des journalistes à propos de leur idylle. Ce n'est qu'en 2019, soit 2 ans après leur séparation, que Kev Adams a décidé de briser la glace dans une interview accordée à Paris Match. L'humoriste et comédien s'était réjoui d'être sorti avec la plus belle femme du monde. Sortir avec Miss Univers 2016 a été mon quotidien pendant près d'un an, avait-il lancé avant de dévoiler les raisons de sa rupture avec Iris. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés. Si leurs chemins se sont séparés, les deux ex gardent encore de l'affection l'un pour l'autre. Quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain. Parler d'elle sur scène, c'était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d'être sorti avec une fille comme elle, expliquait Kev Adams. Iris Mittenaere est-elle encore en contact avec Kev Adams? Alors qu'elle a refait sa vie dans les bras d'un autre homme, Iris Mittenaere continue encore parfois à faire quelques tendres clins d'œil à son ancien chéri. Ainsi en décembre 2019, peu avant la diffusion sur TF1 du spectacle de Kev Adams, dans lequel il fait plusieurs fois référence à l'ancienne reine de beauté, cette dernière n'avait pas hésité à lui adresser quelques mots d'encouragement. « Je sais que ce soir-ci est une soirée exceptionnelle pour toi. Alors je te souhaite bonne chance. Et surtout ne balance pas trop », avait-elle écrit avec humour. Après l'amour, l'amitié ?